Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui et on est, je ne saurais pas vous dire, mardi 19 mars, il est midi 30. J'ai ramené de la soupe à mon papa et je suis devant l'hôpital. La soupe elle est là, c'est de la là. Je vais aller voir mon père aujourd'hui, il s'est fait opérer hier. Alhamdulillah, tout s'est bien passé, mais en tout cas j'avais juste trop hâte d'aller le voir. Donc écoutez, on est sur Paris, je vais vous ramener avec moi pour cette journée. Attention devant. D'ailleurs, j'allais vous dire, j'ai rien préparé pour le tour aujourd'hui. C'est-à-dire quand je vais rentrer, il va falloir que je m'active. Mais tranquille, je suis trop contente en tout cas d'aller voir mon papa. Je vous ramène avec moi. C'est parti là. Bon, je vous retrouve. On a été voir mon papa. Là, j'accompagne juste mon petit frère au taf. Et après, nous, on va rentrer. En tout cas, je suis contente, on a passé un bon moment. Je lui ai donné sa soupe. Il ne pourra pas la manger maintenant parce que quand je suis arrivée, il avait déjà mangé. Mais au moins, l'aura pour ce soir. Et ce qui est trop bien, c'est que normalement, il sort demain, Inch'Allah. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, avant de rentrer, j'essaie de trouver des fricassés sur Paris parce que j'ai trop envie de ça pour le tour. Et en vrai, j'ai jamais fait. Je sais pas vraiment. Enfin, je sais pas faire. J'ai jamais essayé. Mais je pense que le plus simple, ça va de l'acheter là, comme ça. Je vais rentrer avec ça et je verrai ce que je mange ce soir. Bon, là, on repart à la voiture. Je ne vous ai pas repris. Mais en gros, on était, enfin, sur Paris, dans le 14e. De base, il y avait un OCB qui était ouvert, sauf que là, il a fermé. Et moi, je recherchais des liners, donc je me suis dit, je passe vite fait, mais en fait, ça n'a servi à rien. Là, je vais aller dans mon secteur, on va rentrer chez nous. J'ai envie, de, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre des fricassés. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais fricassés, msemen, des trucs comme ça, déjà fait. J'ai encore un peu de riléa pour ce soir et je pense que ce sera tout. J'ai pas envie de cuisiner, je suis fatiguée. Et là, je, par rapport à l'heure où je vais rentrer et tout, j'ai juste envie de me poser et faire ce que j'ai à faire et profiter avec les petits. Donc, je vais passer aujourd'hui pour prendre à manger. On se retrouve, je suis rentrée à la maison. Là, les filles ont goûté et ils sont posés tranquillement. La Aïna est à la douche. Sohan, je viens de le laver, je l'ai mis en tenue de maison. Là, ils sont en train de regarder un petit film en anglais. Ça va être petite fin de journée tranquille. Franchement, je suis KO aujourd'hui. Donc, ça ne me dérange pas du tout là qu'ils regardent un film. Après, ils vont dîner. De toute façon, à partir du moment où il y a le dîner, il n'y aura plus d'écran. Mais là, pour l'instant, ils regardent ça. Je vais vous faire un petit haul Chine avant de continuer cette vidéo. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup pour ce soir. Alors là, pour le coup, c'est uniquement des choses pour la nouvelle maison de Maurice. Enfin, pour la maison de Maurice. Donc là, vous avez suivi un petit peu dans les dernières vidéos. J'étais à Maurice. La déco et tout, vous devez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai pris des choses qui devraient aller avec la déco de là-bas. J'ai pas pris beaucoup de choses pour le coup, contrairement à ma dernière grande commande là pour la maison. Mais j'ai pris des petites touches que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris ça, c'est une branche en mode citronnier en fait, et vu que j'ai des cadres où c'est très très coloré, très pétillant, et ben je vais rajouter ça. Donc j'ai pris en mode citron et j'ai pris en mode avec des petites oranges comme ça, et en fait je vais les mettre dans le même vase. Ça pourrait franchement être très sympa d'apporter de la couleur, vu que j'ai commencé un petit peu dans ce style là. Ben, écoutez, on va juste continuer. Il s'est un petit peu abîmé, donc là ce que je vais faire moi, c'est que je vais le mettre en longueur à plat, et comme ça je le mettrai après dans des gros sacs. J'ai exactement les mêmes sacs que j'avais pour le dernier départ à Maurice. J'ai ces sacs là qui sont immenses et en fait je peux mettre énormément de choses dedans, donc ça je vais le laisser en longueur pour qu'ils se détendent un peu. Puis on va faire pareil avec celui-là. Et bien évidemment, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ok, celui-là est un peu moins long, mais pas dérangeant du tout. Hop là, je vais jeter les petits sachets. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent peut-être de ce qu'on a l'habitude de retrouver. Mais moi, je suis sûre que dans le style de là-bas, ça peut faire genre hyper bien. Parce que vous savez, j'ai des cadres immenses colorés comme ça, orange, jaune, donc ça peut vraiment bien faire. Du coup, on reste dans le même esprit, j'ai pris ça. Donc on a le petit pot comme ça, avec en mode petit citronnier. Donc ça, je l'ai pris pour le mettre au niveau de l'entrée, parce que j'ai une petite étagère en haut. Et je pense que ça peut être vraiment beau là-bas. Donc dès que je l'ai vu, en fait, j'ai pensé à ça. Et puis ça reste dans le même esprit. Donc voilà, je suis contente. Faut juste qu'il ne s'abîme pas. Après, on a ça pour protéger le bas. Donc je pense que ça va être très bien, en vrai. Hop, je vais le remettre comme c'était. J'ai trop hâte de pouvoir repartir et de rajouter ma petite déco.
Alors, j'ai pris ça. Je trouve ça trop mignon. C'est un petit panier comme ça que t'accroches au mur. Genre avec... petite, voilà. Et je sais pas, je trouvais ça trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est différent de ce que j'ai l'habitude de prendre. J'ai pris... Alors, la chambre de Sowan, c'est dans ces tons-là, marronné, jungle et tout. Et en même temps, on a une touche de dinosaure. Donc, j'ai pris... Il est archi doux, trop mignon. J'ai pris ça, c'est un petit coussin que je vais mettre sur son lit. En fait, c'est la forme d'un petit dinosaure. Et voilà, marron et tout pour aller avec sa chambre. J'ai trouvé ça bien. Ça, je l'ai pris, c'est un cadeau que je vais faire, mais je l'ai trouvé trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé hyper chaud. Donc voilà. Ah non, j'ai pas fini. J'ai également repris un panier pour les vêtements des filles avec les petites oreilles. Moi, je l'ai trouvé archi mignon. Donc ça, c'est pour la chambre des filles. En vrai, je dis vêtements sales, mais ça peut finir en bac à jeu cette histoire. J'aime beaucoup. Donc si jamais il y a certains articles qui vous ont intéressé, je vous aurais mis les liens en barre d'infos et bien évidemment je vous aurais mis un code promo. Donc là je vais ranger tout ça, après je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi ce soir et je vais faire des pâtes au fromage parce que les enfants veulent des pâtes au fromage. Je vais voir si je fais des steaks ou des poissons panés. Là vraiment aujourd'hui je suis fatiguée, donc on est sur ce qu'il y a de plus simple et je vais m'y mettre quand même maintenant. C'est parti, là, go. Là. Ok. Tu le mets ici? Comme ça, de ce côté-là. Après, tu fais comme... Regarde, mets-le bien, comme ça. Voilà. Maman, bébé. Ok. Voilà. Maintenant, Sowan, regarde-moi. Là, c'est la maman jument. Il est où, le bébé? Le poulain, il est où? Ça, c'est le bébé, ça c'est un veau, c'est le bébé de la vache. Et ça, c'est quoi dans tes mains? C'est le bébé de la jument? Et quoi ça? C'est un poulain. Et quoi ça? Bon, du coup, je suis en train de faire des pâtes pour les loulous, comme je le disais. Alors, moi, pour ce soir, du coup, j'ai pris, donc ça, c'est pour Ali et moi, des maman, pastillas au poulet. Bravo, mon seul. Amour! Ça, il a rassemblé tout seul. Mais t'es très, très, très fort, mon chéri, je suis très contente. Moi, je l'ai même pas aidé, j'ai regardé. C'est vrai, mon cœur? C'est très bien. Et on a pris les MSMN avec de la viande à l'intérieur là. Du coup, je vais juste réchauffer ça avec ma grilla. Et pour mon four, ce sera bon. Donc ça, je vais laisser pour Ali quand il rentre tout à l'heure. Autrement, lui, il a pris son MSMN quand il est parti. Donc voilà. Et là, pour situer, il est 18h10 à peu près. Et les enfants vont manger dans un petit quart d'heure. Voilà à quoi ressemble ma petite table d'aujourd'hui. Raibi pistache, j'aime trop. Là, j'ai mes dattes avec des amandes à l'intérieur et des macroudes. J'ai ma grilla que j'ai réchauffée. Et là, c'est ce que je vous disais que j'ai pris tout à l'heure. Franchement, ça a l'air bon. Par contre, ça, je sais que je l'aurai pour demain matin aussi parce que c'est immense, quoi. Impossible que je termine ça. Bref, voilà. Je vous retrouve du coup le lendemain. Hier je vous ai laissé, j'étais trop fatiguée. J'ai une migraine qui m'a suivie toute la journée. Bref, là je vais à Lidl. On va juste prendre des compotes, 2-3 petites bricoles pour Sowan. Et après on va rejoindre ma belle-sœur et mes petites nièces. Ouais. Et on va aller, c'est un château qui est pas trop loin de chez elle. Et il y a des grands espaces verts et tout pour les enfants. Donc ils vont pouvoir dépenser un peu.
Bon, Inaya, elle, elle jeûne, mais oui. Sohan et Leïna en sont pas. J'ai hâte de dire à Poupou Inaya que je fais Ramadan. J'ai hâte d'y aller voir Inaya. Ok, bref, elles sont juste trop contentes. Je vous ramène avec moi pour le reste de cette vidéo. C'est parti. C'est vraiment si j'ai vraiment trop hâte de jouer à Inaya. C'est la jeu. Ah oui. Je crois que je peux faire le week-end. Encore une fois. Lidl, ça a trop glow up. C'est la jeu. Une fois j'avais pris des sushis à Lidl, c'était celle-là, là, les makis, c'était immangeable. C'est pas pour être méchante, mais vraiment c'était pas possible. Bref, on a pris quelques bricoles, je les ai mis en dessous dans la recette, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais en soir on a pris des desserts, enfin des desserts, des trucs qu'on avait envie pour ce soir en mode sucré. Et là je regarde un petit peu ce qu'il y a. C'est pas ces yaourts qu'on prend, Doudou. On va voir papa. C'est quoi ça, yaourt? D'ailleurs, les filles, je vais commander une yaourtière, mais je vous en reparle bientôt. Et je vais faire les yaourts des enfants moi-même, du moins je vais essayer en tout cas. Et je vous dirai ce que ça vaut et je partagerai aussi les recettes avec vous. Il y a des chevaux? Oui. T'es content, Sohan? Oui, mon amour. Regarde. Tu as vu mon chat? Oui. Sohan, tu restes par ici? Mais elle est en train de manger. Viens, donne la main, mon cœur. Bon, là, du coup, non, cours pas parce que regarde, il y a la boue par terre. Ça glisse. Donc là, on va faire une petite balade ici. Franchement, c'est trop sympa. Oui. Tu veux un câlin? Donc, je vous disais, ici, en fait, il y a plein de mirabelles. Bon, là, non. Mais la dernière fois qu'on est venu, il y avait grave des mirabelles et on avait pris plein. Là, il y a de la boue, ça veut dire que je suis en stress que Sohan y tombe. Ça va, Doudou? Bon, en tout cas, ils sont trop contents de voir leur cousine. Ouh là là, on a vu aussi des chevaux. C'est quoi ça, bateau? C'est ici des poissons? Oui. D'accord. Là, c'est pas un poisson. C'est pas un poisson. C'est pas un poisson? Non, il doit pas. Il a pas. Leur conversation me tue. Bonjour, je retrouve, on est rentré à la maison. Du coup, je vous fais vraiment un retour de course très rapide de ce qu'on a pris à Lidl. On n'a pas pris grand chose. On a pris des champignons comme ça. Oh, il y a le pack de lait, c'est bon ça. Ouais. Un pack de lait. Une baguette. Du pain de mie. Des petites crêpes comme ça pour les enfants. Des tomates. Des bananes, une compote, du chocolat, ça c'est Ali qui a pris. Ensuite on a pris des poivrons, 3 donuts, des pastels des Nafa et un beignet aux fruits rouges. Donc ça c'est pour le tour tout à l'heure. Du coup, écoutez, voilà, je vais ranger tout ça, je vais prendre une douche et après, attends, pour vous situer, il est quelle heure? 16h40. Après, je vais faire des crêpes pour le goûter. Non, pas pour le goûter, pour le dîner. On va faire des crêpes salées et des frites au four. T'es content? Tu vas manger ça, mon amour? Les compotes. Ah, les compotes. Ok, allez, go tout ranger. Bon, du coup, je vous retrouve après une bonne douche. En vrai, j'ai grave pris mon temps pour vous dire, il est 18h. Là, je vais aller préparer la pâte pour mes crêpes salées. Et ça, je vais faire en 5 minutes, étant donné que j'ai m'aider du Thermomix. Ça va être vraiment très rapide. Et après, vers 35-40, je vais commencer à les faire, histoire qu'elles soient encore chaudes pour l'heure de manger. Et je mettrai en même temps mes frites au air fryer. Du coup, écoutez, c'est parti, let's go! Bon, du coup dans ma crêpe, j'en ai mis un peu partout là, je vais mettre un petit peu de samouraï, je vais mettre du fromage râpé, ok, je vais venir mettre un petit peu d'échalotes que j'ai fait revenir légèrement, je vais venir mettre quelques champignons, pareil que j'ai fait revenir, hop. Mmh.
Très bonne. Très bien. Normal.